Warahmatullahi wabarakatuh, mon frère, j'espère que tu vas bien. Imam Barib, Youssef, toi qui es un combattant de Muay Thai, un akmoué, comme on dirait dans le jargon, connu et reconnu, que dirais-tu, moi qui suis débutant MMA comme toi, on se fasse un petit combat en MMA à la cage tranquillement, penses-tu que tu me mettrais KO en acte de bon? Penses-tu que tu serais capable de crier Cédric, t'es mort? Franchement, non. Oh, il est très fort. Il est très fort, Cédric. Ah, c'est en même temps que c'est un ange, aussi un chétan. Ouais. Il est très fort. Tu l'as très bien défini. Très, très, très fort. très, très fort. Très fort. Très intelligent. Et intimidant dans sa com. Aussi. Très intimidant dans sa com. Il peut gagner des combats qu'avec ça. Il est très solide. Il peut retarder des évolutions. Peut-être qu'il n'était pas prêt il y a un an dans ce truc-là. Après un an, t'es prêt. Exactement. Non. Tu comprends? Ouais, ouais. Il disait, McGregor, je le couche, lui, je le couche. Ah non, quel... Je restais beaucoup avec lui, 2020, 2021. Ah, il venait beaucoup en Belgique? Ouais, je venais aussi beaucoup chez lui aussi. C'était ensemble, je dormais chez lui et tout. Très bon gars, beaucoup. Gros combat contre Baki, là. Ouais. Je suis un ouais, peu ouais, aussi ouais, ce bien se sûr, passe. Ouais. Baki aussi, grand combattant aussi. Ouais, grand combattant. Cédric aussi. Je serai toujours avec lui, moi, demain, même s'il est demain, même s'il est face à Khabib ou il est face à Francis Ngannou. Moi, je connais Cédric. Dit, je connais le premier mec en premier. Quelle hospitalité, quelle éducation. C'est ça. Quel cœur, quelle introspection aussi. Quelle l'âme très travaillée. L'histoire. Très divertissant quand il parle. Il parle au public. Les gens, ils confondent. Il ne faut pas confondre l'homme et l'athlète. Exactement. Oh, mashallah. Très bien. Ouais, très, très bien. Bon message. Non, je ne le bats pas. C'est fou, là. Il drape. Hey,